Alors il reste des grosses activités économiques sur Hachette-le-Grand, et dans le temps il y avait même ici des ateliers de construction de locomotives, de wagons. Et il y avait un gros centre d'entretien ferroviaire. Alors, céréales et cultures d'éoliennes, ainsi que quelques pommes de terre. Bon, là je m'éloigne pour trouver la mairie. On profite quand même de ce petit chemin de campagne, cette route. Alors, c'est un oiseau de proie devant là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Faire demi-tour parce que mon but c'est de trouver la mairie. De toute façon il me semble qu'après c'est vraiment un chemin de terre. Ah. Alors il y a une plaque commémorative. Ah, une Victoria Cross. Alors, un récipiendaire de la Victoria Cross. Privet Christopher Augustus Cox, Victoria Cross. Alors, 7e, BN, je ne sais pas. Bedfordshire Regiment, Stretcher Bearer, ah, je vais pas gêner le tracteur ça, London Gazette, 11 mai 1917, Christopher Augustus Cox, cité Victoria Cross, dans la Gazette de Londres, le 11 mai 1917. Alors, on va le lire en français. Du 15 au 17 mars 1917, le 7e bataillon du régiment de Bedford, 18e division, 54e brigade, lance une attaque contre les lignes de défense allemandes au sud du village d'Hachette-le-Grand. Lors des combats, le brancardier Christopher Cox se distingue par son courage exceptionnel et sa ténacité, allant chercher au péril de sa vie de nombreux blessés sous le feu des mitrailleuses et des explosions d'obus. Le soldat Cox est recommandé pour la plus haute distinction militaire britannique et sa citation officielle paraît le 11 mai 1917 dans The London Gazette. Donc je pense que The London Gazette, c'est le journal officiel britannique. Le 3 mai 1917, au cours de l'attaque du village de Cherizy, Cox est blessé de 2 balles dans le pied gauche. Il est rapatrié en Angleterre pour y être soigné et ne retournera plus au front. Le roi George V le décore de la Victoria Cross le 21 juillet 1917 à Buckingham Palace. À l'âge de 64 ans, il tombe d'un toit de l'usine Ovaltine à King's Langley où il travaille. L'accident marque le déclin de sa santé. Le 28 avril 1959, il décède à l'hôpital de Hill End, Saint-Alban. Brave homme, mais malheureusement ça confirme la stupidité de la guerre et surtout de ceux qui les déclenchent. Bon, il y a des belles routes de campagne. Dans mes souvenirs, à partir d'ici, c'était des chemins de terre. Hop là. Bon, là, l'objectif, trouver la mairie. Alors, souvenir par où je suis arrivé. Donc, on y va.
Alors, on va dire qu'on arrive de là. Ouais. Peut-être des bergeronnettes, mais il faudrait qu'il y ait de l'eau pour ça, et je ne sais pas s'il y a une pièce d'eau. Miam miam.